Monsieur Anas, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler d'hypnose. Exactement. Première question qui se pose et qui s'impose, quels sont les secrets de l'hypnotisation? Les secrets de l'hypnotisation, en fait, il n'y a pas de secret. Le secret de l'hypnose, c'est qu'on ne le connaît pas. C'est juste ça. Mais l'hypnose, c'est quelque chose qui est naturel, qui arrive à tout le monde, à toute personne, n'importe quel moment. On a le téléphone en main, on le cherche non-stop, on a les lunettes sur la tête, on les cherche. C'est que de l'hypnose, tout ça. On conduit pendant 5-6 heures. Et on ne se rappelle de rien, en fait on est en pilotage automatique. Tout ça, c'est l'hypnose, c'est quelque chose vraiment de naturel. Et c'est juste, en fait, on ne le savait pas avant. Et maintenant, on le sait, c'est juste ça. Il n'y a rien de secret, rien de fou, ni de farfelu. Justement, comment vous arrivez à hypnotiser votre public? Est-ce que tout le monde peut être hypnotisé? Bah, c'est un effet naturel. Moi, j'arrive à hypnotiser le public en faisant dès le début, on fait ce qu'on appelle des tests de réceptivité, c'est-à-dire des tests pour les gens s'ils m'écoutent, s'ils sont réceptifs à ma voix, s'ils sont concentrés, s'ils n'ont pas de problème, entre guillemets, psychologique avant, ou des doublements de personnalité, ou quoi que ce soit. En fait, juste si on t'écoute, si on est concentré avec toi, bah, ça va marcher. C'est juste ça. À partir de là, bah, on fait le show, etc. Que pouvez-vous nous dire sur votre expérience ici au Maroc? C'est ma première fois au Maroc, j'ai joué au Marrakech du Rire pour l'hypnose et j'avoue, je ne m'y attendais pas. Le public, c'était vraiment sympa, c'était super. Je me suis éclaté en tout cas. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et voilà. En tout cas, j'ai adoré. Le public était super et puis très réceptif, les Marocains. Et c'était un beau show. Vos projets d'avenir? Mes projets d'avenir, mon spectacle à Casablanca. J'ai commencé par Casablanca puis une tournée. Et surtout, une tournée aussi en Afrique avec Wallace et Africa, toute la tournée en toute Afrique, Afrique noire, Maghreb, Afrique noire. Et puis mon spectacle qui arrive très très bientôt à Casablanca là-bas. Tu respires profondément, tu n'entends que moi. Et on décompte de 5 à 0. Tes pieds vont rester complètement cloués, collés au sol, impossible de décoller. Plus tu vas essayer de décoller, moins tu vas y arriver. Je vais mettre du signe, de la colle. Et je vais mettre encore plus de signe. Et tout ça, c'est complètement impossible. Impossible de décoller. Plus tu vas essayer, moins tu vas y arriver. Plus tu vas essayer de marcher, moins tu vas y arriver. 3. Et maintenant, c'est collé 2 fois plus, et encore plus. 1. Et 0. Comme tu te sens, tu ouvres les yeux. Ça va? C'est bon? C'est bon? C'est moi qui arrive maintenant, deux fois plus comme. Deux fois plus comme. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Tu sais pas? Tu essaies de marcher, moi qui arrive. Non, c'est j'arrive pas. J'arrive pas à les bouger. T'arrives pas à les bouger? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je sais pas. C'est bien. Pense à Maxime. Regarde, ça, même les yeux ouverts. Maintenant, trois de lâche, complètement comme. Complètement comme. Plus tu vas essayer de bouger la main, tu vas y arriver. On va voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Je reste comme ça. Je reste comme ça. Tu veux me dire bonjour? Plus c'est mon calme. Alors. Allez. 3, 2, 1. Complètement collé. Complètement collé. Mon collé, c'est le mien. C'est la même garçon. Sur ce, je vous dis au revoir. Je vais te remettre plus d'énergie pour finir ta journée. Tu t'en fais une fois plus, c'est un plus. Tu plonges au fantôme. Et tu respires profondément. Et on décompte de 5 à 0, on décompte de 5 à 0, tu te rappelles complètement de tout. Et tu as beaucoup plus d'énergie, tu es reparti pour une grande journée, une bonne fin de journée, avec un beau sourire. Quand tu vas faire, quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas regarder la caméra. Très très grand. 1. Encore respire profondément une dernière fois. 0. Quand tu vas, si tu vas ouvrir les yeux, tu vas faire sourire avec la caméra. Merci Hassan. Alors, c'était comment? C'était intéressant. Comment tu te sens? L'idée, c'est que je ne sais pas si on doit vraiment être inconscient parce que j'étais conscient. Tu es toujours conscient. Voilà. Si dans ta tête, il y a un qui dit oui, il y a le cerveau qui marche pas. Enfin, il y a le cerveau qui répond. J'étais en direct avec ton inconscient. Exact.